Un peu avant 10h, à la très grande majorité, ces lycéens en classe de première du Laetitia décident de boycotter l'épreuve d'histoire-géographie qui compte pour le baccalauréat. Ils estiment être insuffisamment préparés. On n'a pas assez de nombre de cours, d'heures de cours. Les programmes ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Au final, on se retrouve avec un même sujet, alors que forcément, on n'a pas vu des notions que d'autres ont vues. Donc il y a des élèves qui se retrouvent à réviser leur bac seuls en 2 jours. C'est totalement impossible. Et puis on n'a pas le temps. Enfin, on a 1 heure pour faire une composition d'histoire ou de géo. Alors que normalement, on ne peut pas faire un devoir excellent avec 1 heure de composition. Après s'être déclaré gréviste, la plupart des enseignants rejoignent les élèves. Ils dénoncent une réforme mal préparée. Et ces élèves-là, secondes de l'année dernière, qui sont en première actuellement, ont un défaut de préparation méthodologique et ne sont pas formatés pour passer des épreuves dans de bonnes conditions. Donc ça a été une course à l'escalade pour pouvoir les former correctement et on n'a pas réussi à rentrer dans le temps horaire qui nous était imparti, toutes les exigences demandées par ces nouveaux programmes, parce que c'est arrivé tardivement, parce que la banque de données a été ouverte très tardivement et nous n'avons eu la connaissance des épreuves en elles-mêmes que très tardivement. Le lycée du Laetitia est le tout premier de Corse à avoir organisé les épreuves dites des E3C de la toute nouvelle réforme du baccalauréat. Une centaine de lycéens, environ sur 300, a choisi de composer. Les autres continuaient à manifester leur mécontentement.